Depuis plusieurs années, on avait été sollicité, le département de la Haute-Garonne, par Infranum pour organiser les universités du très haut débit ici en Haute-Garonne, à Toulouse. Aujourd'hui, je vais dire que ces universités en 2022 tombent au bon moment. Elles sont au bon rendez-vous sur ce département où on a porté une très grande ambition. Quand on s'est lancé conseil départemental avec le partenariat Fibre 31, Altitude, la création d'un bras armé qui est Haute-Garonne Numérique, on avait zéro prise à l'extérieur de la zone AMI. L'enjeu était de raccorder plus de 500 000 habitants, plus de 250 000 prises. Dès qu'on a lancé l'étude, on savait déjà qu'il en fallait 280 000 prises. Et aujourd'hui, on est en passe de l'obtenir. L'ambition qu'on s'était portée, c'était en 4 ans, atteindre la couverture quasi totale, en tout cas 100% de commercialisation des zones, avant la fin de l'année 2022. Et on est à l'objectif qu'on s'était fixé, c'est une performance industrielle. C'est un beau partenariat public-privé qui a fonctionné. En gros, l'industrie, le monde industriel a répondu à l'ambition portée par une collectivité. L'ambition, le numérique, les finances, une ambition portée au bras droit du président Méric du conseil départemental, effectivement, c'est pas anodin. Parce qu'on pourrait se contenter, nous, en tant qu'élus, de dire on est satisfait. Finalement, on a amélioré la connectivité de nos concitoyens et on s'arrête au déploiement. Bon. Déjà, il y a une première préoccupation, se préoccuper de la résilience de ces réseaux, de leur capacité à supporter à la fois tous les nouveaux usages, mais aussi à garantir toujours une égalité d'accès à ces infrastructures. Et enfin aussi, pouvoir subir le temps, la durabilité face aux intempéries, face au changement climatique, etc., etc. Donc la question de la résilience pour nous est très importante. Nous défendons d'ailleurs, avec le démantèlement du cuivre, un service universel du numérique. Ça nous paraît essentiel aujourd'hui. Voilà. Garantir à nos concitoyens un accès à des tarifs régulés, de l'accès aux infrastructures de très haut débit. Et puis l'innovation, c'est aussi penser les usages de demain. Pas simplement se contenter de transformer nos services publics de manière dématérialisée, ça à peu près tout le monde sait le faire. Mais c'est aussi accompagner de manière inclusive nos concitoyens vers ces nouveaux usages, vers cette dématérialisation, vers cette digitalisation des services publics, mais aussi créer des nouveaux outils qui nous permettent de rendre plus efficaces nos services publics, avoir une moins grande empreinte écologique sur notre environnement et puis répondre aux besoins de nos concitoyens.